Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver pour notre première vidéo de 2022. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite bonne année, beaucoup de succès et autres. Vous savez, comme d'habitude, moi j'aime partager les astuces avec vous. Donc voilà, j'ai découvert une nouvelle astuce pour fumer la viande à bengue. Tellement souffle dans le froid là, mon cher. Donc partage massivement cette vidéo et abonne-toi. Donc suis jusqu'à la fin pour avoir l'astuce. Et on se dit à tout à l'heure. Voilà, j'ai acheté ma viande fraîche du mois. Je sais même pas si ça va faire le mois. Hein. Ah, c'est quelques jours. Voilà, j'ai lavé et j'ai laissé l'eau descendue complètement. J'ajoute un peu de sel. Je précise que j'ai rincé aussi avec du vinaigre blanc. Et là, maintenant, je vais me servir de ma friteuse à air. C'est une friteuse qui n'a pas besoin d'huile. Voilà, ce sont les nouvelles friteuses qu'on appelle air fryer. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir sur Internet ou sur Amazon parce que je ne vends pas cet appareil. Donc là, je mets la viande dans ma friteuse. Je vais régler ma friteuse sur la température 200 degrés. Voilà, là, je mets la minute 30 minutes. 200 degrés. Franchement, c'est rapide que le four. Hein. Voilà, je laisse. Une fois que c'est prêt, la machine s'arrête et je viens retirer. Là, la première face est déjà fumée et je vais maintenant retourner sur l'autre face. Franchement, si je n'avais pas goûté, je n'avais pas venu vous montrer cette astuce. C'est doux. C'est comme viande fumée, même. C'est même. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui ont venu dire que non, c'est pas fumé, c'est grillé, c'est parti par là. C'est pas grillé, c'est viande fumée. Voilà, j'ai remis sur l'autre face 15 minutes et je ressors. Et là, ma première partie est déjà bonne. Je mets de côté et je vais rajouter maintenant l'autre partie de la viande. Puisque la friteuse n'est pas trop grande, j'ai 3 litres. Donc, je suis obligée de faire en deux temps. Je rajoute ma viande. Vous prenez la viande, les côtés que vous aimez, les parties là. Cette grosse viande qu'elle a là, c'est le côté du steak, l'épaule. Voilà. Je retire après 30 minutes encore sur l'autre face. Et je remets encore dans la friteuse. 10 minutes. Voilà. Et je ressors là, c'est prêt. Mes viandes sont fumées en une heure. J'ai fumé tout. C'est 2,5 kg ou quoi, 3 kg de viande. Là, je vais découper mes viandes et les mettre dans des sachets de congélation, les garder au congélateur et les utiliser lorsque j'aurai besoin de faire des sauces africaines. Voilà, si tu as aimé la recette, mets un commentaire, partage la vidéo et surtout, abonne-toi et like. C'est juste ton pouce, tu vas prendre pour cliquer comme ça, like. Ah! Trop méchant, like ici. Bon, c'est un mot, bye bye. Si vous likez pas là, je vais prendre congé de YouTube. Là, je vais pas venir dessus tout. J'ai fait 3 mois congé YouTube. Parce que vous donnez trop la paresse ici, franchement. Bon, c'était juste pour rigoler. Bisous, à bientôt.